Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Là on est bien, là on est à son aise. Qu'est-ce qu'on est mal à l'aise hein, quand on n'est pas bien à son aise. On a compris. Comment allez-vous, mes chers amis? J'espère que tout va bien, moi ça va plutôt bien. Ce soir on joue à Satisfactory, qui est un jeu de gestion en vue FPS. Et on va lancer Satisfactory. Donc c'est une early access, on va commencer une nouvelle partie. Moi je propose qu'on parte déjà là-dessus. Et on va l'appeler Jinxland. Donc on est des colonisateurs qui arrivons sur une planète extraterrestre. Il faut qu'on construise la meilleure usine qui va exploiter l'environnement. Et bah on va construire une usine, hein, on va devenir on va terraformer le monde jusqu'à ce qu'il devienne un monde stérile comme le nôtre. Très bientôt. How dare you? Bonjour. N'hésitez pas. Voilà, et on est envoyé par Fixit, c'est notre employeur. Donc on est ce petit bonhomme là, nous, à peu près, et on va construire, effectivement, donc on va construire voilà, des foreuses qui vont aller récupérer du minerai, qui vont l'envoyer pour que ce soit raffiné, etc. Et après on va automatiser tout ça. Ça y est, on est en train d'arriver dans l'atmosphère. J'adore la petite bite là. Ah voilà, ça y est, elle est redescendue. La petite bite de ton truc là qui est en l'air. Voilà, c'était bizarre, non? Non? Bonjour. Et nous voilà sur donc la planète. On vient d'atterrir sur la planète. Oh regardez, il y a une bestiole. C'est une bestiole assez bizarre d'ailleurs. Oh, c'est une planète de massage, c'est parfait. On va se faire masser. Voilà, un petit outil pour se défendre contre ça là par exemple. Salut. Tiens. Allez, maintenant il a des raisons de pas nous aimer. Coucou, genre, je voudrais te montrer quelque chose, petit, t'es où? Gamin, allez viens. C'est pourri, gamin. La plupart des créatures qui sont là, elles nous emmerderont la plupart du temps pas, hein, mais bon, de temps en temps, il faudra leur rappeler qui c'est le patron. C'est qui le patron? Ah, bah voilà un petit chat. Bonjour. Ah, t'as pas l'air très gentil. Au revoir. Oh putain, il a volé. Donc là, il faut qu'on creuse sur un air de... de We Will Rock You, hein. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette boule de caca? C'est vraiment un gros tas de merde. Là j'ai une foreuse dans mon sac à dos. Allez petit robot, c'est parti. Tu peux y aller et tu peux creuser. Oh t'es trop mignon. Oh, vas-y cherche. Cherche, allez. Cherche dans la terre. Viens là, j'ai un truc à te montrer. C'est Jésus, merci. Tout le côté minage finalement disparaît un peu du champ, donc ça c'est pas plus mal. Enfin, c'est pas que ça disparaît, c'est que on le fait faire à des robots, ce qui est bien plus cool. Ça rentre par là. Ah, il manque des tiges de fer, pardon. Pourquoi tombe-je? Comment je fais du béton? Béton. Il me faut quoi? Du calcaire. Ah, du coup je dois chercher du calcaire maintenant. Ok, du calcaire là-bas. Petite bestiole, bonjour. Bonjour. Yeah, rodéo. Rodéo taser. Hop, hop, putain, on peut monter. Oh, c'est cool ça. Ah, tu peux regarder du dessus pour voir à quel point c'est satisfaisant. A few moments later. C'est très long. C'est très très long. Bah c'est ce qui te donne envie d'améliorer ton truc quoi, parce que au bout d'un moment. Ouais. Ouais, collecter un peu partout. Hop là, bonjour, je viens collecter votre dîme. Nous sommes les frères qui rappent tout. Et donc là, ce n'est pas alimenté puisque il faut que je lui envoie du jus. Vas-y. Ah, je viens de broyer ça, ce qui va m'alimenter ça, ce qui est une bonne nouvelle. Et après, vas-y pour améliorer. Bah, attends, on va créer le convoyeur. Qu'est-ce qu'il me faut? Du béton, du fil et des plaques de fer. Donc les plaques de fer, c'est important. Ça s'appelle la barre de fer. Donc les lingots de cuivre. Ouais, il m'en faut puisque je n'en ai pas. Parce qu'il me faut des câbles. Putain, mais ça... Attends, il faut quoi pour les câbles? Ah, du coup, il faut des fils électriques. Eh bah oui, bien sûr. Pour faire des câbles, il faut des fils. D'accord. Putain, c'est bien, c'est beau. Waouh, c'est joli cette pièce.
Ah, on peut même dormir. Maroufler, les gars, maroufler, c'est la vie. Ah, c'est, j'avais 10. Ok, très bien. Hop, hop, hop. Hop, c'est parti. Donc là, on l'a amélioré. Encore une fois. Et donc là, maintenant, on a les convoyeurs. Ils n'ont pas une longueur infinie. Arrêtez de le demander. Tige de fer, ils nous en font. Vas-y, fais péter. Fais péter de la ressource. Fais péter tout ça. Fais péter tout ça. Donc on est sur du petit lingot. Le lingoulou. Il faut des tiges de fer. Donc des vis, pardon. Comme la coupe. C'est quoi le convoi? Le convoyeur. Voilà. Appelez-moi le convoyeur. Et il n'en a plus. Hop. Voilà, voilà qui est bien. Voilà qui commence à être un petit peu plus optimisé. Logistique, convoyeur. Voilà. Voilà. Et ça. Voilà. Allez, Bobby. Vas-y, fais encore un petit peu. Voilà, très bien. Vas-y, tire. Tire la chevillette et la bobinette, Shera. Zad. Foreuse. Alors c'est où l'entrée, c'est où la sortie? Non, c'est que une sortie, bah oui forcément. Voilà, voilà qui est fatos. Si je le mets, on va le mettre le long du poteau hein. Telle une remontée de ski. Après le bilan, lâche la perche. Ouais, ça arrive, regardez, regardez sa mine. J'y vais bien. J'y vais mine. Ok. Alors, donc ça on a là, ah oui putain on l'a pas relié du coup. C'est du grand n'importe quoi. Oui, oui, ça va. Le convoyeur doit être fixé à... pylône. Donc ça, ça va aller là. Boom, bitch. Ah oui, pardon, je bloque. Salut. Vous devriez... Ça devrait marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, parce que je lui ai pas dit ce que je voulais. Donc je veux des lingots de cuivre, effectivement. Vu que c'est ce qui arrive dans ton cul, hein, assez clairement. Voilà, bah fais-nous des... Voilà, des fils de fer, on en a besoin de 100. L'autre côté... Regarde-moi ces bobines géantes, là. C'est quoi ces gaz, là? Faudra qu'on aille voir à un moment. On va récupérer ça et récupérer ça et on va construire notre foreuse. Pourquoi il fait de la merde? Attends, pause. Ah oui, je l'avais éteint. Ok, c'est pour ça. Le mec débile. Ça, ça marche plus parce que no power. Ok. You have no power here. Pourquoi il me pourrit? Ah oui, parce que c'est des lingots de fer en fait que je lui ai. Ah, parce qu'il veut des lingots de fer. Bah oui, je suis con. Hop, on va tout casser. Parce qu'on est, nous on est des G.I. Joe. On va lui mettre ça. Ça. Et ça. Et ça. 37 sur 100, waouh. Comment on fait pour les fouetter les mecs? On sait plus vite. Il y a des gens qui ont des problèmes de... Faut que tout soit bien droit. Ça va être assez horrible de me regarder jouer du coup. C'est un peu bordélique, ouais, j'avoue. Mon truc. Ah, on peut pas rentrer, très bien. Ça aurait été drôle, mais... Apparemment ils ne veulent pas rire, ils n'aiment pas la rigolade. Oh, oh là là, ah oui d'accord, ah oui. Ah oui, après on va en avoir beaucoup plus. Pareil au lancement. Quel est le fuck? Ah, merci. D'accord. Congratulations, you have unlocked building space elevator, building biomass burner, heart biomass. Brûleur de biomasse. Congratulations, you succeeded in every provided task. Donc là on a fini le tuto en gros. Je joue depuis 2 heures. Aimerais vous rappeler que tous les muscles existent pour être utilisés. C'est cool ça. Eh ben il fallait bien 2 heures hein. Eh bien tiens, voilà plus de pétales de fleurs. N'en est pas intéressé, bonjour, au revoir. Mes trucs. Ah non, ou alors j'ai pas compris. Et il me faut peut-être des poteaux, en fait. Peut-être un poteau là. Et du coup, hop. Donc lui il peut alimenter que 1. Ah voilà, c'était donc ça. C'était donc ça. On est sur un câblage fou. Ok, donc là on a tout. On a tout de relié, ce qui est bien cool. Ça, c'est juste ça là, tous ces trucs qu'il faut alimenter à la main. C'est un peu con. Il n'y a pas un séparateur de. Tu sais, qui va emmener sur plusieurs endroits. Qu'est-ce que. Répartiteur de convoyeurs. Voilà qui serait bien. Sépare les convoyeurs en 3. Ah bah j'ai l'objectif en fait en haut. Putain, depuis tout à l'heure.
depuis tout à l'heure. Oh, depuis le début. Oh oui, il y a des échelles. Où est les échelles? Est-ce qu'on peut aller plus haut? Comment tu peux ne jouer que 2 heures à ce truc là? Quand enfin ça commence à être intéressant de... T'as fini de farmer là? Il te dit qu'il faudrait que tu bouges. Oui, certes, mais bon. Ce qui serait bien, c'est que ça s'alimente aussi. Ouais, bonjour madame. Bonjour madame. Oh, là-bas. Ah, tu te calmes. Attends, j'arrive pas à gérer. Trop coûteux. Il manque des câbles. Putain. Enfoiré. Il manque des câbles et les câbles sont là. C'est marrant ça. Qu'est-ce qu'on rigole? Ça va un peu fastidieux quand même, non? Non, c'est pas fastidieux. C'est qu'il y a effectivement pas mal de choses auxquelles il faut penser. Et en fait, plus t'en as, plus il en faut, quoi. Mais en vrai, si tu surveilles bien, si t'es attentif à ce que tu fais, ça va. Et moi, j'aime bien le côté FPS qui est rassurant pour moi. Ah oui, tiens. Bonjour, bestiole. Hop là, je t'ai évité. Et je vais continuer ma vie. Et elle m'attaque. Ah là là, mon dieu, elle a un fusil. My God, it's coming right for us. Aïe, tu te calmes. Au revoir, bonne journée. Hop là. Bien niqué. Je pense qu'on peut grimper. Je peux vous montrer un petit peu où on en est. Là, on a tout notre truc de cuivre là qui est arrivé. Là, on a notre foreuse à minerai de fer. Et en bas là-bas, on a notre foreuse à calcaire là qui est au fond là-bas. Hop, on va aller la voir. Et qui nous transforme ça en béton. Eh bien, c'était assez funky zizi. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Je pense que j'y rejouerai parce que c'est assez addictif, hein, soyons honnêtes. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Peace. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Satisfactory, un jeu qui rend un petit peu addict. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes lives Twitch le lundi et jeudi à partir de 21h. Bah, les liens sont dans la description, hein, comme d'habitude. Il y aura d'autres vidéos sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à liker, partager et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très très vite. Allez, ciao, bisous.